bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus ici au Grand Rex. On verra à quel point la FEPEM a développé son réseau en 70 ans de manière extrêmement dynamique. Nous allons débattre de la réforme de la formation professionnelle. Ce matin, j'ai vu les thématiques qu'il y a au niveau de la conférence à des échanges. Et donc, pour avoir l'information, être au plus près des informations et de la réalité de l'Hyperia. J'accueille à cette occasion un certain nombre de participants, d'intervenants. La Fondation du domicile, c'est vraiment orienté vers le futur. C'est un peu de la prospective aussi, parce que les robots sociaux et les robots compagnons, on n'y est pas encore. Mais ça va arriver vite et donc il faut qu'on s'y prépare et qu'on s'y prépare sur un plan de l'éthique surtout. C'est intéressant et enrichissant de rencontrer d'autres centres, d'échanger avec eux sur d'autres régions, des problématiques à rencontre, des succès aussi, bien sûr. Madame Levaux, on vous attend avec impatience donc pour remettre les trophées des femmes engagées. C'est moi qui vais remercier la FEPEM. C'était une histoire de femme et je n'attendais que ça, de m'engager dans une histoire de femme. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites et pour la longue vie pour la suite. À toutes les deux. Voilà, merci beaucoup. Il y a un formidable élan d'optimisme, d'enthousiasme, une vraie assise par rapport à tout ce qui a été fait depuis 70 ans. C'est vraiment hyper important de voir la dimension humaine, on en parle au quotidien. C'est concret, c'est un aboutissement et on voit finalement, ça fait 70 ans, mais c'est que le début. Les gens sont là pour la première fois, en tout cas à cette échelle-là, pour se rencontrer parce qu'ils font partie et ils contribuent tous autant qu'ils sont à constituer un nouveau secteur d'emploi, le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 70e anniversaire du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. On est au Grand Rex, une salle mythique. Tout l'enjeu, c'est de permettre à ces salariés à domicile d'avoir une vraie reconnaissance. Je vous présente Cutie, Linby, le robot qui donne l'impression que vieillir, finalement, ça va être bien, qu'on va pas s'embêter, on va passer un bon moment ensemble. Bien sûr, de notre organisation, la FEPEM, mais j'allais dire surtout 70 ans de tout un secteur et d'un dialogue social incroyable. C'est peut-être une des fédérations professionnelles qui aura fait le plus pour la transformation de la vie quotidienne des Français et qui a vraiment simplifié en fait cette forme d'emploi et son recours, tout en ayant à cœur d'accompagner les salariés eux-mêmes dans leur formation et leur qualification. L'un des mots-clés, c'était innovation. L'innovation, c'est aussi la possibilité de pouvoir communiquer avec les autres pour pouvoir proposer de nouvelles solutions. Donc je pense que le pari est réussi. On est ravis en fait, d'avoir réussi à rassembler 800 personnes tout au long de la journée. Ça ne se termine pas aujourd'hui, ça continue jusqu'à la fin de l'année. On va fêter maintenant les 70 ans sur les territoires. J'en ai rêvé, ils l'ont fait. Voilà, et c'est une très très belle réussite autour de ce mot que j'ai donné aux équipes pendant près de 6 mois, qui était de faire secteur ensemble au Grand Rex. On a réussi à montrer que tous ces chiffres qu'on aligne en permanence de millions d'employeurs et de millions de salariés, ça prenait corps et que finalement on était capable de l'incarner. Et donc aujourd'hui on a incarné le secteur.